Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Kevin Marchese de Kokoro Lingua. Je travaille chez Kokoro depuis 5 ans et je m'occupe du déploiement de Kokoro Lingua dans les écoles. Kokoro Lingua est une plateforme d'apprentissage des langues étrangères. Ça existe pour apprendre l'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand. Et l'innovation, c'est que pour la première fois, ce sont des enfants anglophones, des enfants natifs qui vont apprendre l'anglais, l'espagnol, le français ou l'allemand à d'autres enfants via des vidéos interactives en ligne. Le programme existe pour toutes les classes de la petite section au CM2 avec un programme adapté à chaque niveau de classe. Donc il s'agit concrètement d'un accès à des courtes vidéos interactives qui durent entre 10 et 15 minutes et qui abordent un thème du quotidien. L'objectif étant de faire apprendre aux enfants le vocabulaire et les phrases les plus courantes dans la langue. Et aujourd'hui, nous accompagnons plus de 500 000 enfants et il y a plus de 11 000 classes qui apprennent une langue avec Kokoro en France et à l'international. Alors, par rapport à l'année dernière, commençant par l'anglais, nous sommes passés de 5 000 classes à 11 000 classes. Donc aujourd'hui, nous avons doublé le nombre de classes qui apprennent avec Kokoro. Surtout l'anglais, mais aussi le français, l'espagnol et l'allemand maintenant, qui sont les trois nouvelles langues que nous avons développées et qui sont disponibles à partir de la rentrée de l'année dernière. Une toute nouvelle que nous avons, c'est que le programme pour apprendre le français, il a été lauréat de l'appel d'offres de l'Institut français, ce qui nous permet de avoir une reconnaissance, une belle reconnaissance sur ce programme et surtout ce qui nous permet d'exporter la francophonie à l'international. Et donc maintenant, avec notre programme de français, nous sommes en train de le déployer dans d'autres pays, à l'international, ce qui nous permet aussi de pouvoir aussi toucher d'autres enfants et le plus grand nombre d'enfants, ce qui est l'objectif aussi de Kokoro. Alors, aujourd'hui, nous avons pas intégré encore l'IA dans nos programmes. Cependant, nous sommes conscients que l'IA aujourd'hui prend toujours de plus en plus de place et nous sommes en train de réfléchir pour l'intégrer à nos programmes. Ce qui est important pour nous, cependant, c'est que l'IA doit être intégrée dans notre programme de façon éthique, car l'enfant doit être toujours au centre de l'apprentissage. Et dans notre programme, étant des enfants qui apprennent à d'autres enfants, ça doit être vraiment un apprentissage par l'émotion et par le cœur.